Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui dans ce format ma vie en autonomie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait de la lessive bio et de la lessive chez soi. C'est très économique, c'est très écologique et bon, il ne me suffit pas grand chose, il me suffit de copeaux de savon Marseille. Alors moi j'ai un savon Marseille du reste et donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment ça se fait, comment on procède. Alors tout d'abord on va faire des copeaux de savon Marseille. J'ai pas y aller franco. C'est la partie très simple. Il va falloir chauffer de l'eau. J'ai chauffé un peu au préalable. À peu près une casserole comme ça pour la moitié. Alors, faut chauffer, faut pas que ça boue, mais faut chauffer. Oups. Alors, en gros, sur les copeaux, ça vous donne ceci. Donc, c'est très... Quand si c'est gros comme ça, c'est pas grave, tant que ça rentre dans la bouteille. Quand ça rentre, c'est bon. Bon, nous... Notre eau est quasiment chaude. Alors, faut pas que ça soit bouillant, mais faut que ça soit chaud. Et donc là, j'ai déjà pris ça cet après-midi. Alors, le truc, c'est que il va falloir attendre avant de voir le résultat final. Mais j'ai déjà un résultat final et je vais vous dire aussi comment, il faut que ça soit à la fin. Prenez les gros morceaux, vous les mettez directement dans la machine. Voilà, une fois que ça que c'est fait, bon, vous allez comprendre ça. Alors, je sais pas s'il y a assez, j'ai déjà fait une fois. Ensuite, bon, j'ai pas l'entonnoir, mais le mieux c'est de prendre un entonnoir. Et surtout pas vous cramer hein, quand vous faites ça. Donc, voilà, si vous cramez les pattes, vous garantissez, vous allez pleurer. Et après, tout simplement, versez l'eau chaude. Dans la bouteille. Alors le mieux ça serait pas de le faire dans une bouteille en plastoc. En général le plastique a tendance à fondre un petit peu. On peut voir que pas très bien donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre. Là effectivement le plastique ne supporte pas la chaleur. Hein. Il y a une refonte on va dire du plastoc, mais on va le mettre là. Il faut que ça soit beaucoup plus chaud pour que ça soit vraiment que ça casse. Voilà. Alors ce qui serait bien, c'est de faire ça dans des bouteilles en verre.
Voilà. Et après, vous allez laisser refroidir, mais vraiment refroidir. Et à la fin, ça devient assez compact, comme ceci. Donc ça, c'est ma deuxième. Hein. Bon, voilà. Voilà, maintenant, vous savez faire. Alors là, il manque un peu d'eau. Je ferai une lessive avec, mais je pense à la main. On verra. Et puis, voilà. Bon, voilà, maintenant, vous savez comment faire une lessive. Voilà. Bon, moi, je vous dis, soyez heureux demain et survivaliste. Allez, ciao, les amis.